Stéphane, on est où là? C'est quoi cette chose, ce petit village? On est déjà sous les Defs. On est déjà dans le temple des makers, comme on dit, ou des gens qui fabriquent. Et donc le village, en fait, c'est la volonté de rendre hommage à l'ingéniosité, non pas collective, elle est collective, mais avant tout populaire. C'est le but de ce village, c'est de montrer que avec rien, on est capable de faire de belles choses et beaucoup de choses justement. Et on est dans un village qui est composé d'une série d'ateliers qui rendent hommage en fait à cette ingéniosité populaire. Alors ce village s'inscrit dans la Digital Week? Ce village, étonnamment, s'inscrit dans la Digital Week et le parti pris qui a été le nôtre, c'était de prendre peut-être à contre-pied la Digital Week où souvent on a tendance à se laisser enfermer dans le digital et uniquement le digital. Mais le digital sans le physique, il n'existe pas beaucoup. Et le parti pris qui a été le nôtre, c'était justement de rendre compte cette fois-ci de l'ingéniosité mécanique et non pas qu'uniquement digitale. Donc on est le off de Wave, mais on est aussi peut-être l'angle mort de la Digital Week. Et en même temps, on parle de la même chose. On parle de co-création, on parle de makers, on parle d'économie inclusive, on parle de partage, de données. Ici, on partage des verres peut-être, on partage des sourires. Mais voilà, les valeurs sont les mêmes. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce village d'étonnant? Parce qu'il y a quand même des choses quand même relativement étonnantes. On y trouve avant tout des passionnés. Jackie, c'est quelqu'un qui a réussi à fédérer, on va dire, des tempéraments, des caractères, des gens qui bricolent, des gens qui vont transformer une deux chevaux en souris géante, des gens qui vont, à base de chambre à air, détourner tout ça pour en faire des sacs à main, des gens qui vont construire des engins à base de manivelles pour se poser des questions sur l'industrie de demain, etc. etc. Donc on trouve avant tout des farfelus, qui ont réussi à incarner leur vision à travers des installations qui sont elles-mêmes à la fois farfelues mais très poétiques et remplies de sens et de bon sens. Oh, expliquez-moi un petit peu ce que c'est que cette souris. Non, déjà elle s'appelle Bling Bling. Elle s'appelle Bling Bling parce qu'elle est luxueuse, voilà. C'est la plus belle des souris. Donc on l'a construit ensemble, François et moi, Philippe. Je parle, mais tu veux parler aussi. Hein. En gros, Stéphane est venu me voir avec son buggy. Un buggy, c'est une voiture toute nue, c'est-à-dire on a tout enlevé. Il m'a dit, il faut l'habiller. Donc il n'y avait pas d'idée sur le papier. C'est François qui a eu l'idée, qui a pensé, si on va voir l'éléphant, c'est évident qu'il faut qu'on soit en souris. C'est-à-dire on est modeste, c'est pas par provocation, c'est juste on va lui faire un petit bonjour, voilà. Donc après, sous l'aspect de la souris, ben là on en a longuement discuté, puis on s'est dit que cette technique-là était assez sympathique et on la maîtrisait. Donc voilà, après elle est devenue en métallique, une souris métallique. Ça vous a pris combien de temps pour créer cette souris? 2 semaines à peu près. 2 semaines plein pot, plein pot, c'est-à-dire samedi, dimanche aussi. Moi, Francky Trichet, on est loin du numérique, là? On n'est pas si loin que ça du numérique. Expliquez-moi. Bah, le numérique, effectivement, aujourd'hui, on est dans le tout technologie, tout est de plus en plus petit, alors que ce qui me plaît dans ces projets-là, c'est la créativité qui sous-tend, en fait, la démarche d'innovation. Et dans le numérique, on est en créativité constante. Mais là, on rematérialise des phénomènes, des processus, et on les rematérialise d'une façon très... Vous voyez ici, là? Bah, ça crée du lien, on est tous super contents d'être là, le petit village. On est vraiment dans l'esprit, voilà, on crée pour créer du lien. On crée des machines fantastiques qui peuvent être très grandes comme l'éléphant. Et là, moi j'ai pris une claque, voilà, c'est top. Voilà, là, comment on peut faire... Tout est incarné ici, hein. L'économie circulaire, on recycle, on réutilise. Et surtout, on imagine, on crée, ça c'est l'esprit d'Antoine. Donc là, dans Digital Week, on y est, quoi.